venu à cette rencontre. Donc je rappelle le pourquoi de cette rencontre sous le titre « Vivre à La Rochelle et en Charente-Maritime en 2040 ». Donc beaucoup d'entre vous le savent, puisqu'ils y ont participé. On a fait, entre le mois de mars et le mois de juillet, des ateliers d'écriture en milieu scolaire dans chaque établissement, et on a fait on a fait des ateliers d'écriture donc sur le thème Vivre à La Rochelle et en Charente-Maritime en 2040, et on a fait un grand jeu d'écriture qui était ouvert à tout le monde. Alors, les ateliers étaient dandés avec des classes primaires, collèges, lycées, animées par des auteurs professionnels. Et le jeu d'écriture, c'était un jeu qui était ouvert à tout le monde. Les personnes se sont inscrites sur notre site et ils avaient pour mission de produire une fiction sous une forme différente, soit une nouvelle, soit une BD, soit un poème, soit... Enfin, il y a eu plein de propositions diverses. Et on les a reçus. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est de partager ensemble ce qui a été vécu, expérimenté par les uns et par les autres, à vous révéler le palmarès du jeu d'écriture, puisqu'on a réuni un jury de 15 personnes qui étaient des auteurs, des libraires, des membres de l'association, des partenaires, qui avaient une grille et puis qui ont attribué des points aux différentes fictions, et il en est résulté un palmarès. Donc, je vais passer rapidement sur le bilan un peu de cette opération, et puis on révèle le palmarès, et puis après, ce qu'on veut faire, c'est vous donner la parole, parce qu'on a compris que cette expérience avait été assez appréciée de ceux qui l'ont faite, d'écrire sur l'écologie, reprendre possession de ces questions, et on a envie de le poursuivre l'an prochain, et donc, la réunion a pour objet que vous vous exprimiez sur ce sujet, que vous disiez pourquoi vous avez trouvé ça bien, comment on peut améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire l'année prochaine ensemble et continuer d'écrire pour l'écologie avec Terre. Alors, sur les ateliers d'écriture, il y a eu 130 élèves qui ont participé dans 5 établissements, primaire, collège et lycée, 4 à La Rochelle, 1 à Bourg-Saint-Franc. Ça a bien marché puisqu'on a eu une bonne créativité, une bonne participation, et on a fait une restitution des ateliers le 12 juin à laquelle sont venus pas mal d'élèves, de professeurs, il y avait les auteurs accompagnateurs, et il y avait aussi des élus des collectivités territoriales qui nous ont soutenus dans l'organisation de ces ateliers, notamment la communauté d'agglomération, le département et la région, et la DRAC. Donc ensuite, on a fait le jeu d'écriture, donc là vous voyez que c'est quand même en majorité des femmes et que c'est assez équilibré, et que sur les tranches d'âge, on est quand même au-dessus de 30 ans, mais on était intéressé d'avoir quand même une bonne proportion de gens de 30-40 ans. Sur la répartition géographique, bon, c'est... La grande majorité, c'est en dehors de La Rochelle. Donc, on a eu 23 fictions qui ont été produites dans le jeu d'écriture, qui sont toutes lisibles sur notre site internet. Les formats d'écriture ont été très variés. Je l'ai dit, il y a eu une bande dessinée, il y a eu un texte illustré, il y a eu un grand poème qu'on pourrait assimiler à un slam, il y a eu des correspondances, il y a eu des récits, il y a eu plein de choses très variées, donc c'était très intéressant d'observer ça, on avait laissé toute liberté sur la forme. Et on voulait imprimer le recueil, faire un recueil imprimé de tous ces textes, mais bon, on n'a pas pu réunir le budget, donc ça se fera peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est en lecture numérique. Alors là, je vous donne trois exemples. Donc, il y a eu une bande dessinée, il y a eu un texte illustré, je l'ai dit, et puis un texte poème, slam, trois formats très différents. Alors, sur le palmarès, donc, on avait
proposer une grille de lecture d'évaluation aux membres du jury, c'était quelles sont vos trois fictions préférées, quelles sont les trois que vous jugez les plus créatives, quelles sont les trois que vous trouvez les plus humoristiques, quelles sont les trois que vous trouvez les plus réalistes, quelles sont les trois que vous trouvez les mieux illustrées. Là, il n'y en avait que deux, donc ce n'était pas très difficile. Donc, sur la préférence générale, donc là, à droite, vous avez les classements, là. Ça, c'est le nombre de votes pour la première place, nombre de votes pour la deuxième place, nombre de votes pour la troisième place. Voilà, donc arrive en tête Ma vie de cagouillette de Léon Carlson en 2040. Il racontera peut-être tout à l'heure où il veut dire un mot sur qu'est-ce qu'il a fait. Le voleur d'eau en pleine Donis. Qui raconte qu'il se projette dans l'avenir quand on vivrait une véritable crise de l'eau, sujet tout à fait en phase avec le combat qui est mené actuellement et la manifestation qu'il y avait hier dans le Marais-Poitevin contre les projets de méga-bassines. Carnet de bord 2040, alors ex aequo là, parce qu'en fait ils ont tous les deux 6 voix, 3 et 3, 2. Carnet de bord et correspondance de Laure Bergeron, et c'était écrit en A2 en fait, excusez-moi, j'ai juste mis le nom de Laure Bergeron et Caroline Allard. Sur la créativité, donc c'est Ma vie de cagouillette en 2040, Carnet de bord, une fiction La Rochelle 2040 de Pierre Nobel, et là il y a 3 ex aequo, donc en troisième place, Vivre sur l'eau et Retour vers la main. Humour. Correspondance. Donc, correspondance, c'est un échange entre deux personnes qui s'écrivent pour la forme. Ma vie de cagouillette, carnet de bord, le bruit des mots, exico. Réalisme, voleur d'Europe en Denis, jamais trop tard, carnet de bord. Alors, je ne sais pas si vous les avez lus. Alors, il y avait poétique aussi. Désespoir. De Thibaut Ribet, Carnet de bord de Muriel Etchebert, Fabuleux Trésor. Et enfin, sur l'illustration, il y avait Abeille et Influence et Ma vie de cagouillette, qui sont les deux que vous avez vus en illustration. Voilà. Donc, est-ce que. Donc, comme je vous l'ai dit, là, nous avons reçu des témoignages directs de certains d'entre vous pour dire comment ils avaient apprécié et de participer à cet exercice. Donc, on a envie de poursuivre, de pérenniser cette action d'écriture avec Terre-Lettre sur l'écologie. Donc, on est très, très content d'accueillir des auteurs ici, notamment Corinne Morel-Darleux qui sera cet après-midi, Christine Dumont qui avait accompagné l'atelier en primaire et qui d'autre. Voilà, donc l'idée c'est de faire un petit peu un tour de table, que vous nous disiez, pour ceux qui ont participé au jeu, pourquoi ça vous a plu, ça vous a intéressé, et puis de recueillir des idées pour qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, à quoi on joue, comment on joue ensemble avec l'écriture et sur l'écologie. Donc est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, peut-être les lauréats du tiercé de tête, là, Léon Carlson, Thomas Brossé, est-ce qu'il est là, Thomas Brossé? Oui. Si vous voulez, vous êtes que le lauréat d'abord, on peut parler premier. Donc, je crois qu'il n'en prendra pas en bras, allez-y. Il est à côté de vous. D'accord. Bon, on a la même passion pour le tableau cher, ça va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour être honnête, j'ai pas écrit ces deux nouvelles pour vous. J'avais commencé à écrire plein de nouvelles d'anticipation. Oui, ça je me souviens. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'espèce de paradoxe entre le manque d'eau et l'afflux d'eau salée qui risque de arriver. C'est pour ça que l'autre nouvelle, ça, c'est passé à La Rochelle 2040 également avec La Rochelle. Envahi par l'eau. Et le voleur d'eau en pleine Venise, comme vous dites, c'est en pleine actualité. Bientôt, quand on voudra aller prendre un verre d'eau dans une bassine, on sera passible du tribunal. J'avais fait d'autres nouvelles qui ne rentraient pas trop dans le cadre, même si elles étaient
d'anticipation également. Ça s'appelait New York sur mer. Quand le golf Picton aura retrouvé toute son unité, ouais. Ainsi que la tour de Groux qui redeviendra un phare dans le golf de Saint-Ange. Tout ça, c'est autour de l'eau qui monte. Et voilà. Alors j'ai adoré. Moi, j'adore faire ça. Je continuerai à écrire sur cette. Puis en plus, c'est un format qui est hyper chouette. 4-5 milliers, c'est très bien. C'est bien. Et bien moi aussi j'étais heureux de participer, bien sûr, ça m'intéressait comme ça, c'était une espèce de challenge, de défi, quand on dit écrire un texte entre 4 et 10 pages, je ne sais pas comment réduire en dessous de 10 pages, mais bon, c'était, je suis assez bavard, je crois que c'est le cas de la plupart des enseignants, surtout quand ils sont comme moi à la retraite, donc on a un besoin de s'exprimer, de transmettre, on se sent des démangeaisons d'écriture, mais bon, je l'ai écrit aussi avec un esprit assez potache, il faut bien dire aussi, hein. Je pense que ça a dû un peu indisposer plus avec les lecteurs, parce que tout n'est pas à prendre au sérieux, évidemment, à commencer par les noms des différents protagonistes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement, il y a quelques semaines, quand on a reçu l'ensemble de voir les nouvelles parts comme des concurrents, mais justement, toutes les autres sensibilités qui se sont exprimées sur ce sujet, et j'étais ravi de voir que plein de gens s'impliquaient. Alors ce qui était marrant, c'était, on parlait du thème de l'eau à l'instant, c'est que dans au moins, je crois, dans plus d'un tiers des nouvelles que j'ai lues, hein, j'ai fait un petit répertoire, il est question de la montée des eaux. Il y en a une nouvelle qui se détache, qualifie l'eau de denrée rare, ce qui est bien sûr vrai, et une seule nouvelle a pris le contre-pied de tous les autres, c'est-à-dire non pas la montée des eaux, mais le recul des eaux, un peu comme le roman de Fotorino à l'époque, qui est un ancien amoureux de La Rochelle et qui lui a écrit un roman, une fiction aussi, une vraie fiction, pas comme moi qui... Je suis un vrai dilettante, mais où la mère se retire de La Rochelle pour se venger. Et c'est un petit peu dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai écrit aussi la nouvelle, c'est que la nature va reprendre ses droits et elle va se passer de nous. Même si c'est une vision un peu pessimiste. Mais dans la réunion Zoom, je l'avais déjà dit, je suis assez éco-pessimiste, même si le ton, et puis la créativité, etc., l'humour est présent. Mais l'humour, c'est la politesse du désespoir. Je ne sais pas, monopoliser la parole là. Moi, je suis Muriel Etcheberg. On est 1, 2, 3. C'est marrant. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé écrire aussi, mais j'aime écrire en général. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivée à La Rochette, ça fait un an, et en fait, c'est ma voisine qui m'a branchée parce qu'elle a vu un article dans le Sud-Ouest qui parlait du concours d'écriture. Donc elle m'a dit, tiens, Muriel, toi qui aimes écrire, tu devrais participer à ça. Du coup, j'ai aimé le faire. Au même moment, je travaillais un texte en lecture pour la manifestation « Partir en livre » au mois de juillet, qui s'est tenu à La Rochelle. Et je travaillais en lecture La petite sirène d'Andersen. Et ça a influencé mon texte. Voilà. Je suis un peu partie dans le fantastique, mais moi, je trouvais ça super intéressant. Et c'est vrai que c'est bien d'imaginer un prolongement de ce travail ou quelque chose d'autre à l'année qui vient. Ouais. Excusez-moi, c'est juste comment vous avez été au courant qu'il y avait ce concours d'écriture. Est-ce que vous pensez à d'autres manières, comment on peut essayer de prendre en contact avec le groupe des humains c'est Sud-Ouest Moi aussi, c'est Sud-Ouest. Moi, c'est le personnage qui est assis devant vous, Bertrand, qui est un,
un confrère de chorale, puisqu'on est dans une des chorales que je suis, on est du pupitre basse tous les deux. Et donc c'est lui qui m'a dit voilà, festival, donc j'y suis allé, et puis c'est un peu grâce à lui que, enfin, c'est même beaucoup, parce que c'est bouche à oreille. Ouais, c'est bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Et quels sont les autres supports de communication qui vous paraîtraient adaptés à une telle communication pour faire venir justement, pour vous faire venir, pour vous intéresser, intéresser un peu Tout le monde va vous parler des réseaux sociaux, moi j'y suis pas. Alors, Oui, ça atteint une certaine cible. Nous, Caroline et moi, bonjour. Vous pouvez m'en donner votre nom. Troisième aussi, avec correspondance. Donc, pareil, je suis de la région Caroline, je suis de venir sur l'aventure parce qu'on avait envie d'écrire ensemble, on a écrit l'année ensemble, et là on avait vraiment envie d'écrire un carnet de proposer de le faire sur ce projet-là. J'en ai entendu parler aussi par Sud-Ouest, comme Muriel, une amie qui me dit fais l'écrire, ça peut être sympa, et voilà, je pense que sur la diffusion c'est fait, moi j'avais dit réseaux sociaux parce que c'est mon métier, donc je suis dedans, mais il y a pas mal de groupes en fait. Pour ma part, je participe à pas mal de groupes d'écriture et d'écrivains, et donc c'est vrai que le diffuser par ce biais-là, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aussi pour en parler autour de moi, de partager en tout cas dans les groupes, mais j'ai partagé l'article du Sud-Ouest ou la page, enfin le site web, c'est bien puisque ça existe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, bah, je pense que hors des réseaux sociaux, c'est présent sur des salons libres, là où il y a des auteurs en fait. Il y a des auteurs dans une librairie, peut-être en bibliothèque, en librairie, sur l'aventure, ça a été lucide, c'était vraiment l'idée de créer cette correspondance, donc on a créé une aventure semi-fictive, on va dire, parce qu'on a pris beaucoup de nos vies pour écrire ce texte. D'autant que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'est bien pour l'occasion, puisque ça fait 2 ans qu'on se connaît et qu'on écrit ensemble, mais on ne s'était jamais vu. Le confinement ne nous avait jamais réunis. Et enfin, on a pu se rencontrer hier pour cette occasion. Ça fait énormément de participer. Voilà. Nous nous sommes rencontrés sur une masterclass d'écriture et depuis, nous correspondons justement. Donc, c'était juste une fiction qui nous a transposé dans le futur et qui correspondait tout à fait à nos personnages. Voilà. Donc on est parti, moi j'habite dans la région depuis une dizaine d'années, je suis sur Sainte, mais du coup La Rochelle, je côtoie la ville par, par nécessité souvent, par plaisir beaucoup, mais c'est pas une ville dans laquelle je vis, donc je ne la connais pas en tant qu'habitante. C'est un peu touristique, on va dire, pour moi, mais avec ce plaisir, parce que c'est une très belle ville, et puis je pense que les habitants ne cacheront pas ce côté plus belle ville du monde qu'on entend souvent quand on croise des gens qui habitent. Et puis, Caroline ne connaissait pas du tout, donc J'étais venue avant que les ponts n'existent. Ça me donne une idée de mon âge. Je m'en souviens plus d'elle. On s'est basé aussi un petit peu pour créer la nouvelle, Google Earth, mon ami. Donc là, juste après, on va partir un petit peu en pèlerinage sur notre histoire, en fait, pour voir les lieux qu'on a décrits et voir si ça correspond bien à ce qu'on a décrit dans les correspondances. Très bien, merci. Ensuite, je peux dire un petit peu ce que. Comment j'ai appris le jeu, c'est par Sud-Ouest. Hein. Ce qui m'a intéressé là, c'est que ça m'a tout de suite évoqué quelque chose de très actuel. Il s'est passé et en 2020, tout le monde disait, après ce qui s'est passé, il n'y a plus rien sur la commande. On s'aperçoit que depuis loin de là, les choses se sont empilées. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui m'a conforté dans la perspective que j'avais,
Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une cellule de gendarmerie qui s'appelle la cellule des métiers, qui peut être appelée par les paysans dès qu'il y a des prestataires qui viennent les déranger, où que ce soit. Vous avez des associations qui sont poursuivies parce qu'elles organisent des réunions sur l'écologie, sur les nouvelles forces, les nouvelles pratiques, etc. Et comme c'était. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Bon. Et donc, c'est un contexte, hein, tout ceci, je ne connaissais pas tout. Et cette histoire, c'est un petit peu la lutte entre ceux qui croient à l'humain, à ce que l'on peut faire en tant qu'humain et avec ses propres capacités en nous, et ceux qui croient à l'objectif absolu, c'est-à-dire n'existe que ce qui est expliqué en long et en large. Par contre, aussi une autre chose, c'est que on peut s'émerveiller de tout ce que fait la science, et c'est merveilleux. Simplement, l'histoire montre que c'est récupéré par ceux qui ont le monopole. Le plus grand nombre n'en profite pas, au contraire, de son. Et donc, ce que j'ai écrit, c'est un petit peu dans cet esprit-là, mais dans l'espace que je peux donner, je ne pouvais pas le développer comme je l'aurais souhaité. Ceci étant, il y a une chose que je développe bien, c'est que c'est pas lui pour cacher, mais à mon idée, s'il y a des choses qu'on peut être fait, ils me prendront, ils me prendront l'attention que discrètement. Ils ne peuvent pas se développer au grand jour, parce que l'expérience montre que tout ce qui démarre au grand jour finit par être torpillé. Ça, je ne veux pas discuter. Sur le volume, est-ce que vous partagez l'avis qu'il faudrait plus de place ou, alors, on a entendu que le format, vous aimez bien ce format-là. Vous pensez que vous auriez besoin de plus d'espace. Quel est l'avis des autres participants au jeu? Est-ce que c'était une bonne jauge entre 3 et 6 pages? Alors, étant l'autrice de bande dessinée, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. J'ai gardé le nombre de pages à 10 maximum. C'est extrêmement complexe de faire tenir une histoire de la même manière qu'un texte simple sur 10 pages. Donc j'ai dû me contenir énormément, d'autant plus il y avait une contrainte de temps qui du coup fait que c'est pas du tout la même chose, parce que l'histoire, j'ai écrit très rapidement, ensuite il a fallu dessiner. Et là, en termes de temps, ça a été extrêmement complexe. Mais j'ai choisi cette formule, donc c'est ma responsabilité. Simplement, si je devais recommencer sur ce format-là, très clairement, un nombre de pages plus flexible ou un temps plus adapté serait bien. D'autres avis sur la question? Moi, je voulais intervenir parce que c'est la première fois que je vous ai dit que l'expérience était déjà intéressante en elle-même. Moi, j'ai écrit le texte à Rochelle d'une merveilleuse. Le nombre de pages m'a convenu. J'ai trouvé le sujet assez palpitant. Je ne suis pas sûre de pouvoir participer. Chaque année, voilà, parce que c'est un sujet. Vraiment, il fallait un sujet où tu peux partir du bon côté des choses et du mauvais côté des choses. Et moi, j'ai choisi quoi? Même quitte à paraître complètement utopiste, ça me dit. Hein. J'avais envie aussi de proposer des idées, de la créativité de légèreté. En tous les cas, merci d'avoir proposé ce concours d'écriture, parce que la Rochelle, on n'en a pas comme ça, et on en rejoint un petit peu plus, mais c'est toujours plaisant d'écrire sur sa vie. Mais aussi, c'était une volonté de se dire, voilà, 2040, c'est pas demain, c'est après-demain, enfin voilà, on sera encore là, et on verra ce qui se
astreinte. Et c'est vrai que même si on peut être angoissé par tout ce qui se passe et ce qui peut se passer, on avait quand même aussi envie d'être sur cette note positive et d'imaginer quelque chose où on a repris les choses en main et voilà. Il y a plus d'utopie que d'historie dans notre texte. Mais bon, on n'a pas gagné le mot pour eux. Qui veut ? Mais allez-y. Bonjour. Je suis Vincent Bellion, je suis l'auteur de nouvelles. Et alors, j'ai beaucoup aimé le concours. C'est pas trop mon style d'écriture, hein. C'est plutôt le son, etc. Par contre, madame, il y a un site qui existe qui reprend tous les concours de nouvelles qui existent en France et en monde. Ça peut être intéressant pour vous pour vous faire connaître. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je suis né à La Rochelle, donc c'est madame, forcément on y est. Et pourquoi pas catégoriser et faire un concours de nouvelles pour le texte plus long, peut-être le plus court, peut-être le texte plus long. Là, tout était dans le même concours, effectivement, c'est beaucoup plus court pour certaines personnes. Oui, donc proposer. Alors en fait, on ne savait pas quand on a lancé ce concours combien de gens, même personne allait répondre. D'accord, on y va. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur une seule catégorie en laissant la toute liberté pour la forme, mais en essayant quand même de limiter le volume pour des raisons de lecture, et de publication, etc. Mais ce que j'entends maintenant, c'est qu'on fera différentes catégories pour permettre notamment à la BD d'avoir plus de propositions et puis peut-être offrir à certains des possibilités d'expression plus larges. Donc, c'est un peu tout ça qu'on voulait échanger avec vous aujourd'hui pour voir comment on améliore l'organisation des choses pour que ça puisse amener les gens à reprendre possession, parce que c'était un objectif de ce jeu, parce qu'on avait l'année dernière au festival de 2020, il y avait un sujet qui avait été traité de manière assez approfondie, notamment par Corinne Morel-Darleux ici présente, et avec son essai sur plutôt couler en beauté que côté sans grâce, et qui portait sur la question de, je ne sais pas sous son contrôle, mais il y avait aussi un livre de Lornoyla qui s'appelait Comment rester écolo sans finir dépressif, donc qui était cette dépression qui nous menace tous de voir comment le monde dans lequel nous vivons se désagrège. Et ce qui nous fait le plus souffrir, c'est sans doute le sentiment d'impuissance qu'on a par rapport à comment agir pour enrayer ce phénomène et pour, si possible, réparer, puisqu'il paraît même exclu qu'on puisse renverser complètement la machine. Et donc, on s'était dit, et c'est ce qu'on a entendu dans certains témoignages qui nous sont revenus après, que finalement, l'écriture était un moyen de reprendre en possession de ces questions, de s'en réemparer individuellement et d'agir, et si vous voulez, de surmonter un peu ce sentiment d'impuissance ou de dépression. Donc voilà, c'était un peu l'objectif. Donc, j'aimerais savoir si là-dessus, si vous avez des commentaires à faire, et puis peut-être que Corinne, elle voulait dire un mot là-dessus. Je sais rien. Ben, merci de tout ça. Moi, je pense, enfin, bon, je suis entièrement convaincue sur le fait que le fait de poser des mots, en fait, sur ce qui nous arrive, sur... C'est quelque chose de fondamental parce que c'est ce qui nous aide à comprendre le monde, c'est ce qui nous aide à appréhender les choses, éventuellement à se les approprier. Enfin voilà, je pense que pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, hein, parce que c'est pas non plus évident, je pense que ça peut que faire du bien. Et moi je l'ai beaucoup vécu à travers l'essai. Parfois on est aussi des vecteurs, c'est-à-dire que les auteurs posent des mots pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette possibilité-là. Donc en tout cas, je trouve ça intéressant. Après, moi, j'aime beaucoup le principe, effectivement, du jeu d'écriture. Je me posais la question, parce que j'ai pas vu quel était le cahier des charges initial, en termes, justement, de... Ça a été évoqué, le délai, le nombre de signes, etc.
Moi, je trouve que sur ce type de, d'exercice, la contrainte, elle est hyper intéressante. Et même, j'irai carrément un peu plus loin avec peut-être des bonus ou des gages de mots-clés à placer dans l'histoire. On n'est pas obligé d'imposer ça à tous les participants, mais il peut y avoir un bonus mot-clé. Enfin, voilà, on peut imaginer des choses assez ludiques, je trouve. Et par ailleurs, je suis très intéressée aussi de savoir comment ça s'est passé, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des ateliers d'écriture en milieu scolaire. Oui. De savoir comment ça s'intègre, du coup, par rapport à ce qu'on a vu là. J'ai juste à dire pour le cadre, et puis je laisse peut-être parler, c'est pour vraiment participer aux ateliers d'écriture. Donc, en fait, on fait des ateliers d'écriture depuis 2 ans. L'année dernière, on avait fait écrire l'utopie climatique. C'est-à-dire que les participants avaient une rencontre avec un scientifique qui leur expliquait sur l'agroforesterie, par exemple, ou sur le rôle des marais. Et ensuite, ils avaient une journée accompagnée par un auteur où ils devaient écrire un peu comment ça se ferait dans l'avenir si on intégrait toute cette connaissance qu'ils avaient obtenue. Cette année, on a choisi un autre thème qui était vivre à La Rochelle. Donc là, je laisserai peut-être Christine raconter comment ça s'est passé dans les établissements. Et c'est un format différent, puisque là, on est soutenu par des partenaires pour rémunérer des auteurs qui accompagnent les élèves dans le travail de création avec le professeur. Alors que le jeu d'écriture, c'est un exercice libre, et qui s'adresse à un autre public. Voilà, donc, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites dans les ateliers d'écriture, notamment en primaire, dans l'atelier, une école primaire, dans l'atelier animé par Christine. Tu veux en dire un mot ? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, l'écriture, quand on rentre dans un milieu scolaire, l'écriture chez l'enfant, c'est quelque chose de contraignant, de fastidieux. Donc, en fait, tout le travail, ça a été de leur redonner le désir d'écrire, ce que vous, vous portez, puisque vous êtes là, déjà. Donc, en fait, je suis passée par d'autres outils pédagogiques et créatifs, et donc, on a été travailler la terre à main nue, en vrai. On a travaillé les végétaux. J'aurais montré beaucoup un documentaire film que j'avais filmé à Sainte-Marie-de-Ré, où il y a Sainte-Marie-de-Ré, il y a vraiment plein de petites roches. Je suis tombée sur les oies bernaches, il y avait l'eau, c'était en plein hiver, donc il y avait quelque chose d'algues qui était en train de se former, enfin en train de féconder aussi. Donc tout ça, j'ai apporté des rochers, des cailloux par le tactile, par le visuel. Je suis passée par tous les sens pour qu'ils puissent se reconnecter avec cette sensation de la nature. Qu'ils n'ont pas perdu, mais dont ils se sont éloignés un petit peu, préoccupés par la consommation et tout ce qui nous entoure. Donc moi, mon intérêt, ça a été de les relier à leur bonheur et l'émerveillement de la nature, et avec le désir de vouloir dire ce qu'ils ressentaient. Donc en fait, ça a été vraiment tout ce travail-là sur le ressenti. Et quand on ressent quelque chose, et qu'on dit, on dit tout ce que tu ressens. Dis tout ce que tu ressens avec tout ce que tu as vu. Alors, comme on avait un cahier des charges entre guillemets littéraire, je suis partie sur des choses, j'ai vu ce que j'ai ressenti, et hop, et alors ils écrivaient. Et en fait, ils écrivent. Et ils se sont régalés à écrire. Donc, en fait, c'est l'âge de ces enfants. C'était des CM1. Donc, c'était des CM1 et tous ceux, et en plus, c'était une classe donc, à Villeneuve-des-Salines. Donc, les enfants, il y avait 14 nationalités, 14 cultures, tous français, mais 14 cultures différentes. Dont des enfants qui savaient à peine écrire le français. Donc, la maîtresse a dicté, après, ils ont recopié, et en recopiant, ils se sont mis à écrire sur les vagues. Et le désir, vraiment, ça c'est fondamental, et du coup, de laisser trace. En fait, sur du papier. Donc, c'est ce qui, moi, m'a intéressé aussi, c'était de mettre, parce que écrire, c'est une chose, mais de le rendre au public va former un tout qui rassemble chaque individu, et ça, en fait, ça crée un groupe, et ils sont reconnus en tant que singularité dans un groupe. De laisser trace sur un bel, du beau papier, avec Rosy, on a beaucoup travaillé, c'est un beau livret. Qu'ils ont pu remporter, qui a été vu, qui a été déployé, raconté. Voilà. L'étape suivante, ce serait de rendre encore plus public à l'oralité
Parce qu'en fait, du coup, au moment de la restitution, il y avait toute la matière première qui était là. Mais j'ai senti que s'ils avaient pu en dire plus, eh ben, par l'oralité, parce que c'est ça, c'est le dedans qui va dehors. Et ce dehors-là, eh ben, c'est pour ça qu'existent les lectures publiques. C'est pour donner de tout son cœur et de la façon dont on est habité par ce qu'on écrit, parce qu'il y a eu des trésors d'écriture, de la poésie pure, en fait. Et je leur ai dit, mais un auteur, c'est ressentir et penser quelque chose et désirer le transmettre. Écrivain, c'est autre chose. Mais auteur, c'est auteur de sa pensée, quoi. Et quand ils ont contacté ça, ben voilà, quoi. C'est eux, ils partent déjà avec une petite graine qui a été en sens. Voilà comment j'ai... Et dans la forme que ça a pris pour cette école primaire, parce que les autres classes ont publié une nouvelle écrite collectivement, oui. C'est-à-dire un texte, là ça a pris la forme de triptyque, on ne voit pas très bien là, mais pour les enfants, tu peux raconter, ils ont rendu un triptyque avec deux volets où il y avait des textes, et oui. Puis ils avaient fait une petite sculpture. C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque étape, en fait, il y avait la matière première différente. La première étape, c'était les ocres, parce que je travaillais au Maroc. Donc, je leur ai ramené, en plus, comme il y en avait plein, forcément, qui étaient issus de culture maghrébine, donc ça les a reconnectés, en fait, à leur souche culturelle et à la nature dans leur pays d'origine. En fait, c'était ça l'intérêt. C'est qu'avec cette classe de 14 cultures différentes, mon intention, c'était vraiment qu'ils puissent rejoindre la valeur de l'environnement de là où ils étaient nés. Donc ça a été cherché dans la cellule mère, en fait. Et ça, c'est fondamental parce qu'après, si on reconnaît, s'ils reconnectent avec leur cellule mère culturelle de l'environnement, ils peuvent se relier avec l'environnement de là où ils sont aujourd'hui. S'ils sont coupés de leur environnement d'origine, eh ben on est coupé d'eux-mêmes et ils sont coupés de leur poésie de fond, en fait, de souche. Donc en fait, en partant donc sur cette ocre, Ils ont peint des ocres et hop, après, on écrivait. Et ils écrivaient la terre, c'est quoi? Et la terre, l'amour de la terre, et pourquoi la terre? Et qu'est-ce qui se passe dans la terre, le vivant dans la terre? Chacun avait sa terre. Ensuite, on a construit, enfin, on est parti sur l'argile qu'ils ont été chercher à Villeneuve-les-Salines eux-mêmes, l'argile blanche qui est issue de leur territoire, parce que c'était la thématique. Et avec ça, j'ai ramené tous les végétaux que j'avais séchés du secteur, parce qu'on était dans le secteur, aussi bien à La Rochelle, sur Ré, que dans les marais de Patvin. Et avec ça, ils avaient chacun l'argile, tous les végétaux. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez construire? On va construire un habitat, chacun notre nouvelle maison sans pollution, zéro déchet. Notre nouvelle maison, zéro déchet, ici à La Rochelle. Comment on fait? Eh bien, c'était incroyable de créativité. Ça a été de moi, je veux pas de fenêtre, mais je veux dormir la tête dans les étoiles. Ça a été, moi, je veux une petite bergerie pour mes chèvres. Moi, je serai celui qui a le puits et je donnerai le puits. Et au fur et à mesure, c'est pas moi qui l'ai insufflé. J'ai juste posé la matière. Ils sont retournés dans leurs fondements originaux, vraiment dans le geste premier. Et ils ont eu envie, et il y en a un qui a dit, mais et si on faisait un village zéro déchet et chacun aurait un truc que l'autre n'a pas, et on se le partagera. Merci Christine. Voilà, donc ces ateliers, effectivement, on va recommencer l'année prochaine. La région, les partenaires qui financent, notamment la région, ont été très, très intéressés par cet atelier en particulier, avec les enfants. Donc, on va poursuivre. Mais alors, ça peut nous donner des idées aussi pour le jeu. Je pense peut-être continuer là, à faire le tour de table si vous voulez vous exprimer sur ça a été quoi cette expérience. Et puis, en se projetant un peu sur l'année prochaine, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Est-ce qu'on continue sur le même thème? Est-ce qu'on aborde d'autres questions qui vous paraissent importantes et sur lesquelles vous aimeriez écrire? Voilà. Juste une petite phrase. Du coup, vous aviez... En fait, je ne me suis pas positionnée sur un travail intellectuel, mais un travail du ressenti. Moi, je voudrais dire que avec les confinements successifs, je suis devenue totalement allergique à la visio. Et ce qui serait super agréable, ce serait de travailler ensemble, d'écrire ensemble, mais en chair et en os, pour de vrai, ensemble. Donc, s'il pouvait y avoir des rencontres l'année prochaine,
une ou deux où on pourrait écrire ensemble, être ensemble, ce serait quand même vachement bien. C'est un atelier d'écriture ou c'est être ensemble pour écrire? Je ne sais pas, j'ai pas pensé la chose, je ne sais pas, les deux, mais ça serait... Est-ce que ça... Soit un atelier effectivement pour expliquer à ceux qui débutent, soit effectivement le fait d'être ensemble et travailler ensemble. Parce que c'est, on est tous tout seuls en fait, mais c'est ça. Travail, et c'est vraiment difficile parfois. C'est ça. Mais c'est ça. J'ai l'impression que l'écrire, c'est un putain de seul. Ça dépend. Il y a plusieurs façons. Elles ont écrit à deux et elles ont trouvé d'autres, le cas de le dire. Donc, ça, moi, personnellement, en tout cas, c'est vrai que j'écris seule, mais ça m'est arrivé d'écrire en atelier d'écriture. J'ai toujours trouvé ça très nourrissant sur le plan de la créativité. Parce que ça peut être des ateliers qui durent 2 ou 3 heures, mais on échange comme on lit ce qu'on a écrit, en fonction d'une proposition. L'écriture, c'est de la prédation aussi. On est nourri par ce qu'on écrit des autres. Soit ça fait résonner des choses qui étaient en nous, mais auxquelles on n'avait pas accès. Soit ça fait venir des choses. Soit ça emmène dans une autre direction qu'on n'aurait pas prise seule. Parce que les propositions des participants, quels qu'ils soient, ça nourrit, quoi. Je reprends un peu l'idée du partage. Parce que voilà, on a tous écrit, je pense, en langue française. Tous les mots sont dans le dictionnaire, ils appartiennent à tout le monde. Après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les tisse? Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des moments de partage. Puis après, effectivement, on retourne seul dans cette activité d'écriture. Mais les moments de partage, pour moi, sont nourrissants sur le plan de la créativité, sur le plan aussi, il y a la liberté, justement, d'écrire seul. Peut-être que sur ce type d'atelier où on travaille ensemble, c'est là où on peut imposer la contrainte ou avec des bonus, des choses voilà, à travailler et pour nous emmener effectivement là où on n'irait pas naturellement et peut-être révéler des cultures qu'on n'aurait pas soupçonné. Donc c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir un atelier. Par contre, ce qui me paraît important par rapport à tout ça, c'est le côté restitution, justement, que ce soit sous une forme d'exposition, de rencontre, mais pas uniquement entre nous, mais peut-être aussi avec ceux qui sont susceptibles de lire. Qu'il y ait une production finale qui soit partagée aussi avec parce que quand on écrit peut-être seul, mais on écrit aussi pour les autres, et être lu. Et donc, puis même aussi tout ce qui peut être plus créatif. Plus visuel en tout cas, la bande dessinée ou l'illustration, et là sous une forme d'exposition, une rencontre après avec tout le monde. En plus, il y a le cadre du festival qui est naturel, donc c'est pas mal de tenir un stand. C'est vrai que je pensais que c'était une rencontre avec les gens qui auraient pu nous lire en fait, et pas en tout. Bon, entre nous, certes, pourquoi pas, hein, mais oui, avec d'autres personnes aussi. Un public. Oui, alors c'est le point final, parce que finalement, on l'a écrit, puis après, on en fait quoi? Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, allez-y. Oui, moi, je suis venue parce que je pensais qu'effectivement, c'était plus une restitution. Oui, j'ai pas du tout écrit, donc je trouve ça très intéressant quand même. Hein. Ouais. Enfin, je trouve ça très intéressant, surtout pas quand même. je débarque et je découvre que, voilà, ici, il y a surtout des gens qui ont écrit, mais peut-être pas que, mais peut-être pas les seuls, non? Et l'atelier d'écriture, pour le coup, peut être intéressant pour nous, si on a une démarche de vouloir écrire, d'être un peu aidé ou d'entendre, d'avoir des ressources. Et peut-être aussi, on aurait pu, pour l'année prochaine, si ça se reproduit, avoir un échange avec les enfants, c'est-à-dire lire une partie de nos textes et recevoir ce que les enfants ont écrit. Ou si c'est difficile pour eux, lire ce que les enfants ont écrit à voix haute, soit dans l'école, soit dans un autre lieu, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un échange. Déjà partagé. De partager avec. Ils ont aussi participé au projet. Mm-hmm.
pas sur le même plan, mais ça pourrait être bien. Oui, oui. Sur le même thème. Oui. Mais oui, c'est ça. Alors, échanger. Oui, oui, on entend bien. Alors, la restitution des ateliers, elle a eu lieu. Elle a eu lieu le 12 juin. Il y avait des enfants. Ils ont lu des extraits des textes qu'ils avaient produits. On a vu les créations des élèves du primaire. Donc, ça a été fait. Alors, ensuite, il est vrai que pour ce qui est des ateliers d'écriture, on avait bien entendu pensé à faire une restitution. Seulement, afficher les textes sur une grille, dans un lieu où les gens passent, est-ce qu'ils vont les lire? Donc on avait imaginé d'autres options, on avait notamment imaginé peut-être de faire lire par des comédiens des extraits des textes pour que ce soit incarné. Bon, on n'a pas pu le faire pour des raisons budgétaires, donc on ne va pas pouvoir aider. Mais en tout cas, on a bien conscience que c'est important Bon, l'organisation du jeu, elle a pâti du Covid aussi, comme vous l'avez signalé. On a fait une réunion de lancement du jeu, c'était une réunion Zoom, où il y avait peu de participants, on était cinq, voilà qu'on avait convié tout le monde. Donc, j'entends l'idée qu'effectivement, que ce ne soit pas un exercice solitaire, chacun chez soi, mais qu'il y ait peut-être trois temps de rencontre, pour ceux qui le souhaitent, au lancement du jeu, peut-être pour échafauder les contraintes dont parlait Corinne. Ensuite, pendant le temps de travail de rédaction, pour qu'il y ait des échanges, des interactions. Et puis, sur la restitution l'année prochaine, effectivement, faire en sorte qu'on puisse organiser quelque chose qui donne à voir et à ressentir ce que les gens ont produit, etc. Donc, je voudrais revenir sur le nombre de budget pour l'édition, C'est un coup d'impression, il ne demande rien s'il est prévendu, mais s'il n'est pas vendu, il demande. Bien sûr, il demande. Bah oui, il faut faire un travail aussi de mise en page, ne serait-ce que l'impression. Nous faisons partie des auteurs masqués aujourd'hui. Nous avons édité jusque-là 4 recueils qui ne sont pas toujours auteurs masqués. Oui. Est-ce qu'ils sont préachetés ou pas? Donc, ils sont auto-édités, mais qui effectivement ne coûtent rien, ils sont imprimés au moment de la commande. Ah oui, en numérique. En digital. Ouais. Ah non, mais pas comme du coup, ils sont en papier. Oui, oui, ils sont imprimés, impression numérique. Mais il faut faire la maquette du. C'est la conception quand même qui pousse, c'est la conception qui pousse. Faire... En fait, on est auto-corrigé, puisque nous sommes 40 sur le masque, c'est quelque part, justement, nous sommes nombreux. Ben écoutez, on en parle. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Je rebondis là-dessus, parce que du coup, puisque c'est à la demande, du coup, la question, ce qui est intéressant, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est les campagnes de financement participatif. Aussi, par exemple. Et là, en plus, ça permet de faire une campagne publicitaire, c'est marketing, ça attire les gens, pour que ce soit quand même organisé. Et du temps à l'avance, mais ça permet d'avoir les précommandes et de savoir à peu près qui sera intéressé à la fin. Ok, ben on peut faire ça la prochaine fois, ou avec le recueil, mais bon. Ce que j'avais compris, mais c'est qu'il y a le coût de la conception, de la mise en page, ça fait quelque chose qui soit assez bien fait, ça a un coût qui, je crois qu'on pouvait l'évaluer à 3000 euros, quelque chose comme ça. Et puis, il y a l'impression. L'impression à la commande au numérique est très chère. C'est beaucoup plus cher d'imprimer chaque livre à la commande que de les imprimer. Enfin bon, en tout cas, c'est un point qui est important. Moi, cette réunion a aussi pour objet de voir parmi vous ceux qui ont trouvé de l'intérêt à cette opération et ont envie de la poursuivre en tant que participant et pour d'autres. Donc, peut-être, on est une petite association avec 15 personnes, on organise le festival, on organise les ateliers, on organise pas mal de choses, mais on n'a pas beaucoup de bras. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce projet et qui ont envie de s'y impliquer à la fois par rapport à l'organisation, au choix des thèmes, à la réflexion, à la communication, à la diffusion, à traiter la question notamment matériel de l'impression, etc. On est tout à fait ouvert à ce qu'on se rencontre, qu'on travaille, qu'on commence aujourd'hui déjà
s'il y a des candidats qui sont intéressés à ce qui se manifeste, pour qu'ensuite on puisse continuer à travailler. Donc, sur l'ouvrage, là, les recueils, on a des devis d'impression. Si on a, en sortie de festival, les moyens de réunir un budget suffisant pour imprimer le recueil, on le fera. Est-ce que à ce moment-là, on peut envoyer, faire une demande, une enquête pour savoir qui est intéressé pour acheter le livre. On verra à quel prix, à ce moment-là, voir si on imprime. Ça, on le fera. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait pu tuer une mission. Surtout que le prix du papier est en train de tomber. Ouais. Ça dépend aussi du papier aussi. Oui, en fait, tous les petits éditeurs en ce moment, ils souffrent vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de quelqu'un qui voudrait s'exprimer encore sur le sujet? On a encore une petite demi-heure. Je pensais aussi sur le sujet, c'était. Moi, j'ai vu communiquer comme étant un jeu concours. Oui. Et donc, du coup, à la fin, ben, j'imaginais qu'il allait avoir des prix ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas rien de... Pour moi, ça pouvait être justement le fait que ce soit imprimé en recueil. Bon, ben, c'est pas le cas. Ok, soit dans ce cas précis, mais du coup, aussi pour attirer les gens, ben, il faut pouvoir rendre quelque chose en retour. Quoi. C'est ça aussi qui est intéressant pour certaines personnes. Oui, alors nous, dans notre esprit, on ne l'a jamais appelé concours, on a toujours dit le grand jeu d'écriture. Oui, mais du coup, ça s'entend comme un jeu concours. C'est vrai. Alors, avec un jury qui choisit les meilleures places, ok, on est numéro 1, 2, 3, d'accord. Et oui. Oui, oui, non, mais j'entends bien. Au début, c'était plutôt un jeu, enfin, c'est-à-dire participer ensemble, mais forcément, il y a toujours cette notion, à partir du moment où on fait un jury, c'était plus... pour valoriser certains textes, pour montrer la diversité des textes. On a fait ce palmarès, pour montrer qu'il y en avait qui étaient humoristiques, qu'il y en avait qui étaient ceci, qui étaient cela, etc. Et effectivement, la récompense, c'était la publication qu'on avait en tête, mais qu'on n'a pas pu faire, et on en est désolé. Mais c'est la vie des associations. Et voilà, j'espère que l'année prochaine, on aura plus de moyens pour mener à bien, et peut-être éditer ensemble les deux, j'en sais rien, on verra. Au-delà de cette idée de récompense, je crois qu'il y a ce jeu à présenter quand même un intérêt qui est pour chacun qui veut écrire de se situer par rapport à de dire bah oui, j'écris et puis finalement bah, je suis retenu à tel niveau. Donc ce que j'écris, bah, c'est pas complètement idiot, ça tient la route, c'est déjà pas mal. Une autre remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a eu une expérience qui a eu plusieurs étapes, mais une en particulier qui a été pratiquée pour produire un texte commun, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait, enfin, je ne sais plus, c'est le grand débat sur le corps. Il y a eu plusieurs personnes qui ont produit dans un ensemble de productions. Au départ, ça a démarré avec des rencontres de scientifiques et d'experts. Je veux dire, c'est intéressant de pouvoir choisir un thème en se mettant à une barre assez haute. On va travailler sur tel domaine. Mais on connaît plus ou moins bien, parfois on est complètement dans le domaine. On se confronte avec une expertise ou plusieurs, et puis après on en discute, on va se savoir. Je pense que ça peut être aussi l'expérience du grand débat a été quand même enrichissante, qui a été intéressante. Après, ce que ça est devenu, c'est dit, mais là, l'objectif, c'est pas d'informer le gouvernement, mais de produire quelque chose. Et je pense que le fait de se lever une barre en se disant on va attaquer un domaine, multi-domaine, et en s'y mettant, et puis on rencontre des personnes qui peuvent nous enrichir, et nous prendre de la distance par rapport à ça lorsque l'on le fait, c'est bien aussi quelque chose que vous permettrez d'adresser. Si je comprends bien ce que vous proposez, c'est que. On aille voir ce qui est sorti du grand débat. Là, non, pas forcément le grand débat. Là, non, la commission. Non, c'était juste un exemple.
dernière commission écrit devait sortir et sans proposition sur l'évolution climatique, sur la biodiversité, etc. Donc c'est le mieux processus qui a été mis en place. C'est une machine qui a été mise en place, qui est intéressante en soi. Et donc la question c'est si on se propose, l'association peut travailler sur un thème plus ou moins complexe qui pourrait être l'objet d'un processus de ce type. D'écriture collective alors, à plusieurs. Oui. Si je comprends bien, c'est quelque part c'est une façon de proposer des idées, en fait, pour qu'elles puissent être appliquées ensuite. C'est une forme d'innovation, en fait. Ouais, je pense qu'il ne faut pas. L'objectif du monde des arts, c'est quand même un objectif en vue de mise en pratique. Je crois que le problème de cet objectif-là pervertit un petit peu le mécanisme. Parce qu'on est abouti à certaines propositions, etc. Mais le résultat ne permet pas de prendre une certaine distance et de pouvoir se rappeler. Il faut faire ça. L'objectif pour moi, c'est de faire un projet d'écriture libre. Ce n'est pas la question de savoir s'il n'y a pas il ne faut pas se donner une finalité au départ. C'est-à-dire, confronté à un domaine, confronté à certaines choses, on en fait quelque chose. Quoi ? On va voir. Ouais, on sort un peu du domaine du jeu d'écriture et de l'écriture. Mais c'est vrai que ta remarque était très pertinente sur le pas l'idée d'une récompense de savoir si on est un, deux ou trois, ça n'a finalement aucune importance. Moi ça fait 30, 40 ans que j'écris, je publie aussi, mais je n'ai jamais publié de fiction. Et cette frustration qu'on a d'avoir produit quelque chose. Sans que ce soit forcément reconnu. On connaît la crise des maisons d'édition. Moi, c'est ma fille qui est graphiste, qui a fait les illustrations. C'est là qu'on voit le travail professionnel, parce que moi, je n'aurais jamais réussi à faire ça. Et en Allemagne, comme elle travaille à Munich, en Allemagne comme en France, l'édition est évidemment très malmenée, parce qu'il y a pratiquement plus d'écrivains que de lecteurs. Il ne faut pas se voler la face. En France, le nombre de personnes qui lisent, il y a 10% de personnes qui lisent énormément, beaucoup. Moi, je lis à peu près un livre par semaine en français et un par semaine en allemand. Mais bon, je ne suis pas absolument pas représentatif. Et en Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne était un pays où beaucoup, beaucoup de gens lisaient. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils lisent ? Un peu comme chez nous, ils lisent les grands auteurs, les locomotives de l'édition. Quand Houellebecq sort, les éditeurs français attendent des sorties de salvatrices d'un écrivain ou d'une écrivaine. Ben, c'est quand même assez préoccupant. Donc, avoir la fatuité de croire qu'on va être édité, moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Moi, j'ai plein de projets qui sont aboutis, mais qui ne verront pas le jour. Ben, ça me frustre pas. Et moi, personnellement, le travail que j'ai fait là, moi, je le mets à la disposition gracieusement et je suis prêt l'année prochaine à m'impliquer pour la suite. En tant qu'auteur ou en tant que conseiller ou apporter mes quelques compétences et expériences. Mais une autre remarque très, très pertinente que j'ai trouvée tout à l'heure, c'était si on se rencontre pour écrire ensemble, peut-être, la restitution doit être orale, pas écrite, parce que les gens n'auront pas le temps de lire. Et la lecture orale, moi je suis lecteur pour la bibliothèque sonore. Donc ça fait 15 ans que je lis des romans pour les aveugles et je suis même la voix officielle du Canard Enchaîné, je veux dire. Je lis tous les mercredis, enfin je lis comme tout le monde, mais je l'enregistre. Et c'est du travail, c'est 6 heures par an. Les 8 pages du Canard, enfin pas 8 pages, parce qu'il y a une page qu'on lit pas, c'est la page cinéma, on nous a dit. Oui. Par contre, la page télévision aussi, parce que j'ai appris que beaucoup de non-voyants, ou nous on appelle ça des personnes empêchées de lire, parce qu'il y a aussi, surtout en cette période de pandémie, des gens qui sont littéralement cloués sous un respirateur, ou des hémiplégiques qui ne peuvent pas tenir un livre ou même un journal. Et donc des personnes empêchées de lire, eh bien, écoutent la télé. Ils ne voient pas, mais écoutent la télé. Et c'est même plus grave pour celles qui ont perdu la vue parce qu'elles ont un souvenir
pour les autres, c'est une découverte. Et la voix humaine est un excellent porteur de messages. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, on peut échanger et on peut vraiment transmettre, on peut communiquer. Pardon. Okay. Donc, moi, je suis prêt à participer. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, parce que comme tout à l'heure, il a été évoqué le fait de rémunérer des comédiens professionnels pour faire les lectures, etc., ce qui, une fois de plus, bah, pose l'éternelle question du budget. Est-ce que, il y a peut-être une piste là, justement, de, une fois la phase d'écriture passée, d'avoir non pas un atelier d'écriture, mais un atelier voix, et que ceux qui le souhaitent, en tout cas, puissent faire leur propre lecture à voix haute du texte. Voilà, tout à fait. Qui a été écrit. Et moi, je trouve, enfin, moi, j'aime beaucoup lire à voix haute. Et je trouve que lire à voix haute ce qu'on a écrit, c'est vraiment lui donner une deuxième vie, quoi. Et on est bien placé parce qu'on connaît bien son texte, quoi. Parce que ça peut être aussi très intéressant de lire pas son propre texte, parce qu'on sait dans quelles circonstances et ce qu'on a voulu lui faire dire, alors que si c'est lu par quelqu'un d'autre, finalement ça apporte un éclairage aussi. Voilà, tout à fait. Parce qu'on ne va pas mettre l'emphase sur les mêmes mots, alors que voilà, l'auteur, finalement, il va redécouvrir son texte en fait, s'il est lu par quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça peut être la finalité de l'atelier, d'un côté écrire et puis de l'autre, après le restituer, le faire restituer. Là, pour le coup, ce qu'on travaille en fait dans les lectures publiques, c'est ce texte, c'est-à-dire que la personne lit son texte parce qu'elle est animée par ce qu'elle a écrit, et après il est lu par d'autres, et du coup les deux ont tant de valeur en fait, parce que pour celui qui reçoit, il reçoit une richesse énorme, et celui qui le lit aussi, et le propre auteur aussi, parce qu'il met vraiment à l'oralité, donc la lecture publique est super formé. On ressent vraiment les paroles. Bien sûr, c'est hyper important. Par ailleurs, j'ai écrit les paroles de chansons, et la première fois que je les ai entendues, j'ai pleuré. Je pleure facilement. Mais c'était, parce que j'ai redécouvert, en plus avec la musique, c'est une expression différente et qui met une emphase vraiment particulière sur les mots. Mais c'est de l'entendre, on sent qu'il vit sa propre vie, c'est pour ça ce que je disais, l'importance de la restitution aussi, du partage quand on a écrit quelque chose, parce que quand on l'a écrit, ça reste personnel tant qu'il n'y a pas une diffusion, finalement. Donc quand il est diffusé, donc qu'il soit lu, qu'il soit lu à haute voix ou lu dans sa tête, ou présenté ou représenté, exposé. Il prend son autonomie finalement, le texte, et il prend une autre dimension, donc c'est hyper important. En tant qu'auteur, je trouve que c'est hyper important. Et dans un projet comme ça, où en plus derrière le texte produit, il y a une volonté de diffuser aussi un message sur l'écologie, sur les attentes collectives, ça paraît être vraiment la finalité première de ce qu'on a produit. On attendait peut-être effectivement cette restitution avec l'objet livre, en fait, parce que on a envie de tenir quelque chose dans les mains, et c'est ça qui est important. Mais ça peut prendre d'autres formes, mais en tout cas c'est nécessaire pour que le travail aille jusqu'au bout. Je pense qu'effectivement c'est un bon un bon schéma avec la phase d'écriture, la phase de partage et la proposition à ceux qui le souhaitent d'un atelier lecture publique pour qu'ensuite il y ait une restitution qui soit orale par les auteurs eux-mêmes de leur texte ou d'autres textes. Donc ça c'est possible à organiser et ça me paraît effectivement intéressant à imaginer. Oui. Alors un mot, c'est que pour dire que aussi quand on a, par rapport à votre remarque tout à l'heure, que dans la démarche du festival Terre et Lettres, on observe que sur les sujets écologiques, on publie de plus en plus d'essais qui sont une forme d'intéresser, de sensibiliser les gens à la question écologique, parce que comme on l'a vu hier avec les deux tables rondes qu'on a eues, il faut comprendre, décortiquer, comprendre comment les choses fonctionnent pour ensuite savoir pourquoi ça provoque ces enchaînements. Parce que si on reste à la surface des choses, à parler des symptômes,
on ne comprend pas et ça ne nous aide pas à nous positionner par rapport à ces questions-là de manière pertinente et ça ne nous arme pas pour agir. Bon, ça c'est une chose qui est indispensable, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on parle de toutes ces questions aux sensibles des gens. Et donc la littérature, c'est un moyen de parler à l'imaginaire, à la sensibilité des gens. Et cet après-midi, donc, on aura la table ronde avec Corinne Morel-Darleux, qui, après avoir fait un essai l'année dernière, a fait cette année deux romans pour la jeunesse, un pour les très jeunes, un pour les adolescents. Et on aura un auteur de bande dessinée, qui est un auteur habitué de publier des enquêtes sur des sujets écologiques très graves, mais traitées sous la forme de bande dessinée, qui est une autre manière d'exprimer. Donc, quand on a lancé le jeu Terre et Lettre et les ateliers d'écriture qu'on fait, c'est dans une optique de, on va dire, de création littéraire, pas de création de revendication ou de positionnement. On veut faire rentrer dans le festival de plus en plus la dimension littéraire, la dimension artistique, parce que je pense que les gens sont suffisamment sollicités et que c'est une manière qui leur parle peut-être plus complètement que des essais qui sont des raisonnements, des analyses, des choses parfois ardues, compliquées, voilà. Donc c'était bien pour positionner le jeu dans notre vision qui était la création littéraire. Je me permets de revenir sur ce que vous dites, parce que c'est marrant, moi quand j'ai vu le sujet, je me suis dit exactement l'inverse. Je me suis dit, ah tiens, on cherche à développer une histoire pour la Rochelle, qu'est-ce qu'on a envie d'imaginer, qu'est-ce que la ville a envie de pouvoir faire pour la transition écologique à venir. Et en parallèle, il y a eu deux autres jeux concours. Un, c'était La Rochelle 2030, qu'est-ce qu'on imagine pour La Rochelle en 2030, et un autre, c'était pour la ville de Paris, qu'est-ce qu'on imagine pour la ville en 2100. Et à peu près sur les mêmes dates, hein. je trouvais ça assez drôle, et bon, il y en a un qui était clairement politisé dans ce sens-là, c'est celui de la ville de Paris, où on interpelle les auteurs pour leur dire, voilà, aidez-nous à imaginer le futur, quelque chose de positif, on veut des histoires positives. Oui, alors, mais c'était pas ça, oui, parce que... L'histoire du positif, c'était plutôt les ateliers qu'on avait fait l'année dernière sur écrire l'utopie climatique. On voulait que les gens, en intégrant des choses qui sont connues, avérées, démontrées scientifiquement ou autrement, on peut imaginer une réalité qui soit transformée par ça. Là, c'était La Rochelle et la Charente-Maritime, c'était imaginer votre vie. Donc, c'était carte ouverte très large. Et on n'avait pas dit... On ne voulait pas orienter les gens soit vers la dystopie, qui nous fasse des récits catastrophes, soit vers l'utopie débridée. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Et moi, ce que j'ai observé dans tous ces textes, finalement, c'est que, certes, comme tu l'as fait remarquer, le thème de la montée des eaux était très, 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 très prégnant. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que l'eau montait, mais les gens restaient à La Rochelle, ils ne partaient pas vivre ailleurs. Et dans plein de nouvelles, ils ont inventé, alors il y avait des trucs lacustres, des cités lacustres, des tours immergées, enfin, il y avait plein de trucs, mais certes ça monte, mais on reste. Et ça, j'ai trouvé que c'était très fort, l'attachement à la ville. Et voilà, mais c'était... Il n'y a pas eu finalement de récit très dystopique. Il y avait plutôt une volonté d'imaginer, et c'était assez personnel. C'était pas des plans d'aménagement, etc. Mais c'était la vie quotidienne. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps ou pris le temps de lire tous les textes qui sont en ligne, mais je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très très intéressant. Bon, on va pas. Si quelqu'un veut intervenir encore, sinon on va. Par la finalité, je pense qu'il y a une finalité qui peut être partagée, c'est la démolition des imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion scientifique, par exemple, est une notion qui a été captée par certaines approches. Et on arrive, par exemple, puisqu'on parlait d'écologie,
Il est arrivé il y a quelques années, et il y a quelques années, il n'y avait plus de chair sur l'évolution, sur la création des sols, sur la vie des sols, dans les universités. En fait, c'était hors science. Il y a encore quelques temps, j'avais entendu un débat où un économiste, lorsqu'on lui parlait d'écologie, lorsqu'on lui parlait de vie des sols, etc., parlait de retour au champ de la vie. C'est-à-dire la science a plus avancé sur les réalités de la Terre, la réalité du vivant. Ça devenait quelque chose à veiller. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, s'il y a un travail à faire, un sujet qui peut être partagé, c'est comment faire évoluer les imaginaires pour faire remonter un petit peu le réel par rapport au fantasme de l'intelligence artificielle. Ouais. Ça, c'est une. Ça nous renvoie une question qu'on a posée à Philippe Descola lors de l'avant-première qu'on a faite le 25 octobre, Composer les mondes, où Philippe Descola dit qu'on ne définit pas les mondes, on les compose à partir justement de ce qu'il appelle le mobilier, c'est-à-dire les choses qui nous environnent, auxquelles on prête attention, et c'est parce qu'on fait attention à ci, à ça, qu'on compose notre monde. Et donc aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, on le compose justement parce que je pense qu'on a des imaginaires qui sont beaucoup trop, on va dire, matérialistes ou techniciens, ou etc. On a complètement abandonné tout ce qui est le vivant. Et on lui posait la question, mais alors, finalement, cette composition du monde, est-ce qu'elle va être encore possible dans une société qui n'est que minérale, que numérique, que ceci, où les gens n'ont plus attention à ça? Donc effectivement, développer les imaginaires. Mais dans les textes, là, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'imagination. Il y avait des imaginaires très, très ancrés dans la nature, dans la vie marine, etc. etc. C'était très bien. Non. Ok. Si quelqu'un veut dire un mot, sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Désolé pour le malentendu. Ah non, mais c'est vrai que le titre, le titre prêté à confusion, d'ailleurs même des journalistes m'ont dit « Bon, alors il y a cette rencontre sur la Rochelle, qu'est-ce que... » Non, mais comme ça, vous voyez comment ça s'articule aussi. Bien sûr. Oui, allez-y. Justement, pour se relier par rapport au public, c'est aussi peut-être de faire du public un jury. Oui, mm-hmm. Absolument. Bonne idée. Mm. C'est vrai que là, on a innové en tout, en fait. Ah oui, mais je vois, on fait des idées pour accueil, là. Et ce que je peux comprendre aussi de votre témoignage, c'est que quand on rentre dans l'illustration, c'est un travail colossal qui n'a rien à voir avec le travail. Et je comprends qu'on a d'autant plus envie que ce travail-là soit reconnu parce que c'est un travail énorme, l'illustration. Je ne dirais pas le temps que j'ai passé dessus parce que voilà. Je vais pleurer, mais c'est ça. Voilà. La reconnaissance, bon. Elle est... Pour conclure, je vous remercie beaucoup. Si, alors donc, vous avez bien compris qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a essayé de vouloir faire et qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-nous un petit mail. Vous avez participé à cette réunion, à festival@terrelet.org, et vous dites, je suis intéressé pour reparler de ça, on réorganisera quelque chose, on verra sous quelle forme. Pour lancer l'édition 2022 du jeu. Et voilà, donc écrivez-nous, dites-moi, ça m'intéresse d'être associé, et puis comme ça, on peut vous recontacter dès qu'on remet le truc en œuvre, et puis en discuter, et puis avancer.